Okay, very good. All right. Good morning. Ananda, Lassan, are you still there? Yes, we are still here, Usman. We can hear you. Okay, very Do good. you hear me? Yeah, now I can hear you. Yes. Okay, good. Excellent. So welcome, bonjour à tous. Excusez-nous, le webinaire est en français. Bonjour à tous et bienvenue. Nous vous remercions d'être présents à cette nouvelle édition des webinaires du Malabo Montpellier. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Ousmane Badiane qui nous vient, qui est connecté depuis les États-Unis, mais surtout notre hôte du jour, le monsieur Seth Sall, qui est directeur de la division de l'économie, de la direction de l'économie numérique et des partenariats au ministère des Télécommunications au Sénégal. Bienvenue, monsieur Sall. Donc, nous remercions tout le monde, toutes les personnes en ligne pour le grand intérêt témoigné à cette session. Je suis Naboutal. Nous avons eu à échanger avec certains et je serai en charge aujourd'hui de recueillir toutes les questions qui seront posées à Monsieur Sall. Donc, pour une question de commodité, vos micros seront mis en sourdine et les seuls micros que vous entendrez seront celui du modérateur et du présentateur. Je vais brièvement passer à travers des rappels qui sont importants. Si vous voulez poser des questions à n'importe quel moment de ce webinaire, vous pouvez le faire via le chat box, donc la petite fenêtre qui s'affiche au niveau de vos écrans et sur laquelle je vous ai souhaité la bienvenue, ou alors m'envoyer vos questions à n.tal@cgiar.org. Donc les micros, comme je l'ai dit, seront mis en sourdine. Le lien de la vidéo. Parce que la vidéo est actuellement enregistrée, donc ce lien sera mis à disposition sur la page YouTube du Malabo Montpellier. Et donc aujourd'hui, nous allons également pouvoir mettre à disposition cette présentation au niveau de notre compte SlideShare. Pour petit rappel, le Malabo Montpellier a donc une page, un compte sur YouTube, auquel nous vous invitons à vous inscrire et sur lequel vous pouvez déjà retrouver toutes les présentations des webinaires précédents. Je passe maintenant la parole au docteur Ousmane Badiane. Docteur Badiane. Merci Nabou. Bonjour et surtout merci à Monsieur Sall. Merci beaucoup. Vous entendrez que je suis enrhumé, que ma voix n'est pas aussi claire qu'elle est normalement. Mais je suis très heureux d'accueillir Monsieur Sall et nos amis qui sont avec nous ce matin pour parler de l'expérience du Sénégal en termes de promotion des technologies digitales. Je vais commencer peut-être par donner un peu de background à cette série de webinaires et commenter un peu sur les objectifs et les travaux du Malabo Montpellier Panel. Le panel regroupe un peu plus d'une douzaine d'experts africains et internationaux dans les domaines de l'économie, de la nutrition, de tout ce qui est biologie, donc commerce, ainsi de suite. Donc un groupe assez varié qui est constitué d'Africains à 80%, je dirais, et 20% en dehors de l'Afrique, donc l'Europe et l'Inde. L'objectif du panel, c'est d'aider à faire encourager l'innovation politique au niveau le plus élevé. Et pourquoi d'abord l'innovation politique et pourquoi au niveau le plus élevé? L'Afrique a connu 2 décennies de croissance sans précédent, en tout cas depuis l'indépendance. On a eu de temps en temps un ou deux pays
qui ont une performance très forte. On a toujours pu voir un Botswana ou bien une Côte d'Ivoire ou bien un Cameroun pendant un moment donné. Mais c'est la première fois sur plus de 20 ans qu'une masse critique de pays africains réalise des taux de croissance entre 5 et 6 % et maintiennent cette allure environ sur une aussi longue période. Donc, après 20 ans de croissance, il doit y avoir dans tous les domaines de développement et de politique économique, il doit y avoir des choses que nous avons faites et des choses qui ont été bien faites. Donc, l'objectif du panel, c'est de se demander dans une thématique spécifique, un domaine spécifique, et de rechercher quels sont les pays africains qui ont pu, en tout cas, réaliser des progrès, notoires, et d'aller voir au niveau de ces pays les raisons de ce progrès, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils les ont fait et pourquoi ils ont réussi. Et dans cette recherche, on se focalise seulement sur l'action gouvernementale. Qu'est-ce que le gouvernement a fait en termes d'innovation institutionnelle? Qu'est-ce qu'il a fait en termes de changement de régime de politique? Et qu'est-ce qu'il a fait en termes d'intervention programmatique pour réaliser ce progrès? On se focalise sur ces trois dimensions. Et ça, on le fait à dessein parce que, comme je disais, nous recherchons à faciliter l'innovation politique au niveau le plus élevé. Il nous arrive souvent d'échanger avec des autorités au niveau ministériel plus élevé ou bien au niveau des secrétaires généraux du gouvernement et des gens de bonne volonté qui veulent faire beaucoup de choses, mais qui se demandent ce que je veux faire. Est-ce que je peux réussir comme je le veux? Où puis-je trouver des exemples qui peuvent m'inspirer? Qui l'a réussi ailleurs? Comment ils ont fait pour réussir? Et se posent ces questions parce qu'à leur niveau, ils savent qu'une opération réussie peut être transformatrice, peut toucher toute l'économie parce ils sont à un niveau d'autorité. Et ils commandent des ressources qui leur permettent d'avoir des programmes à grande échelle. Mais ils savent aussi que s'ils échouent, les coûts financiers et politiques sont formidables, sont énormes. Et cela tend à les retenir un peu dans l'innovation. Donc, nous anticipons ces questions, s'agissant de demander qui a fait ce que je veux faire, qui l'a réussi, où et comment. Et par quels moyens nous anticipons en identifiant des domaines que nous savons importants et nous nous demandons quels sont les pays africains en tête en termes de progrès et on prend les 6 à 7 pays et on va au niveau de ces pays-là et on essaie d'identifier les actions gouvernementales qui ont permis le progrès. Et c'est ce que nous résumons dans les rapports de mon panel, et ces rapports sont maintenant transmis au forum qui est lié au panel, le MAMO Forum, qui organise des séances d'échange, des réunions, des forums au niveau ministériel et secrétaires généraux d'État, secrétaires généraux des ministères. Donc, c'est à ces réunions que les pays qui ont été identifiés comme étant en tête de file présentent leurs expériences à une douzaine d'autres pays qui pourraient maintenant échanger avec eux et être sensibilisés, en tout cas comprendre mieux ce que les autres qui ont réussi ont eu à faire afin de réaliser les progrès qu'ils ont pu réaliser. Objectif, c'est qu'au sortir de ces échanges, ceux qui aimeraient bien se lancer dans ces domaines soient réconfortés que ce qu'ils veulent faire est bien possible, que leurs pairs, que leurs collègues l'ont réussi. Et parce que les expériences des différents pays sont différentes,
ils sortiront avec un menu d'options, de possibilités d'intervention institutionnelle, politique et programmatique qui leur permettrait de répliquer, d'imiter ces succès-là chez eux. Donc, c'est ça, les deux grandes dimensions, ce sont ça les deux grandes dimensions de nos travaux, les rapports et le forum. Maintenant, on se dit que le rapport est très synthétique, bien qu'il décrive très bien les actions les plus importantes au niveau des différents pays, mais il reste quand même synthétique. Le forum, ses réunions sont assez limitées, sont au maximum une dizaine de pays. Donc, on a introduit la série de webinaires pour permettre une discussion assez fouillée, assez approfondie avec les leaders qui sont derrière ces politiques, ces innovations, ces programmes qui ont facilité le progrès dans les pays qui sont en tête de file. Donc, ce webinaire aujourd'hui, comme d'autres qui l'ont précédé, a pour but, d'échanger avec un pays, aujourd'hui le Sénégal, qui fait partie des pays qui ont réalisé le plus de progrès dans un domaine spécifique, aujourd'hui les technologies digitales, pour mieux comprendre un peu plus en profondeur les actions, les politiques, les interventions, les stratégies qui ont permis au Sénégal aujourd'hui de figurer parmi les 6 premiers pays en termes d'avancement des technologies digitales. Donc, voilà la place du webinaire dans notre portefeuille d'activités et voilà également l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore pour votre disponibilité et je remercie surtout M. Sall pour avoir voulu accepter notre invitation à discuter avec nous sur l'exemple du Sénégal. Donc, je vous souhaite une très bonne réunion, des discussions, je suis sûr, productives. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Dakar, à Nabo et Monsieur Sall, et une bonne journée à tout le monde. Merci Ousmane. Nous vous retrouvons de toutes les façons pour à la fin de la session. Et donc, sans plus tarder, nous passons la parole à Monsieur Sall. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Badiane. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, commencer par transmettre les salutations et les félicitations de Madame Ndayitika Ndiaye Diop, qui est notre ministre en charge de l'économie numérique et des télécommunications, qui s'est beaucoup réjoui quand même de cette initiative et qui m'a demandé de venir quand même animer ce panel d'échange avec donc l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les acteurs nationaux, mais également ceux qui sont à l'extérieur, sur un thème aussi important et aussi plein d'enjeux que tout ce qui est politique innovante en matière de transformation digitale, notamment pour ce qui est le système agricole. Alors, donc, moi-même, je suis très heureux aujourd'hui de venir ici partager avec vous donc l'expérience du Sénégal en matière de politique, en matière de programme, donc de transformation numérique. Alors, je vais très rapidement vous présenter mon agenda qui va essentiellement s'articuler autour de 3 grands points. Alors, le premier est le passage en revue des politiques et programmes de digitalisation à travers la présentation de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique du Sénégal, dénommée Stratégie Sénégal numérique 2025, qui aujourd'hui est le document de référence en matière de politique de digitalisation pour le Sénégal. Et je ferai un focus sur la politique qui est développée par l'État du Sénégal pour favoriser l'accès universel, mais également un accent particulier sur la diffusion du numérique dans l'économie et surtout dans le secteur agricole.
La deuxième partie sera axée sur tout ce qui est politique de promotion de l'entrepreneuriat digital, avec naturellement une présentation de l'axe 3 même de la stratégie qui est consacrée à la promotion d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur, mais également partager avec l'ensemble des acteurs les différentes politiques et les différents programmes d'accompagnement que l'État du Sénégal a initié pour essayer de créer un environnement incitatif et favorable à l'éclosion d'un écosystème digital. Et naturellement, je terminerai cette partie en faisant la revue quand même de l'écosystème agritech qui aujourd'hui est en pleine éclosion donc au niveau du Sénégal. Et je terminerai donc ma présentation en faisant donc un zoom sur un projet quand même très intéressant qui est le projet Service agricole et inclusion digitale en Afrique que l'État du Sénégal est en train de dérouler en collaboration avec la FAO. Voilà très brièvement donc l'agenda donc de la présentation de ce matin. Alors pour commencer donc la première partie qui est axée sur les politiques et programmes de digitalisation, je dirais que le gouvernement du Sénégal a élaboré et validé en 2016 son document de stratégie de développement de l'économie numérique dénommé Sénégal numérique 2025. Alors ce document, cette stratégie est le fruit d'une volonté politique très forte affirmée au plus haut niveau et qui a été guidée par l'ambition du plan Sénégal émergent qui, dans son axe 1, se propose de réaliser la transformation structurelle de l'économie pour une croissance soutenue et durable. Et pour réaliser donc cette ambition, un certain nombre de secteurs ont été identifiés par le PSE comme des secteurs moteurs. Et parmi ces secteurs, il y a naturellement le secteur de l'économie numérique qui est considéré par le plan Sénégal émergent comme un moteur d'emploi et de développement de l'économie nationale et surtout un levier de productivité et de compétitivité des autres secteurs. C'est à la suite de ça que l'État s'est engagé, le gouvernement, à élaborer la stratégie qui, comme je l'ai dit, a été validée en 2016. Suite. Et pour rappel, cette stratégie a été quand même le fruit d'un consensus parce qu'elle a été élaborée dans une approche participative, une approche inclusive qui a regroupé l'ensemble des acteurs et partenaires de l'écosystème digital au Sénégal. Et parmi ces acteurs, nous avons les acteurs institutionnels dont le ministère en charge de l'économie numérique et des télécommunications qui a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République en matière de développement de l'économie numérique et des télécommunications. Mais il y avait également l'autorité de régulation et des télécommunications et des postes qui est chargée de veiller au respect de la réglementation. Il y a le fonds de développement du service universel, il y a le conseil national de régulation de l'audiovisuel, il y a aussi la commission nationale de cryptologie et la CDP. Donc tous les acteurs institutionnels en charge donc de l'économie numérique étaient fortement impliqués donc dans le processus d'élaboration. Mais c'était pas tout puisque à côté de ces acteurs, nous avions également le secteur privé qui était quand même très impliqué à travers les trois opérateurs qui sont aujourd'hui des opérateurs de licence globale. Je vais parler de Sonatel, je vais parler de Free et Sodatel avec la marque Expresso. Mais il y avait également le consortium de services universels IO qui développe une licence au niveau de la qui bénéficie d'une licence au niveau de la région de Matam. Et il y avait également tout le secteur privé. Plus de 300 PME étaient parties prenantes. Il y avait les structures de formation, les structures d'encadrement, de financement, mais également les organisations professionnelles et même les associations des consommateurs. Donc, tout l'écosystème a pu être mobilisé pour prendre part donc à l'élaboration de cette stratégie qui est aujourd'hui le fruit donc d'un vrai consensus. Et la stratégie, pour la présenter, elle incarne l'ambition du Sénégal de maintenir une position de pays leader innovant en Afrique. Je crois que M. Badiane l'a rappelé. Le Sénégal, au cours des deux dernières décennies, a eu quand même à réaliser des progrès importants dans le domaine de la digitalisation.
que ce soit dans le domaine des infrastructures, que ce soit dans le domaine de la réglementation, que ce soit dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'accès, mais également dans le domaine également de la diffusion du numérique dans des secteurs comme l'éducation, comme la santé, le Sénégal quand même a eu à réaliser des pas extrêmement importants. Et donc, pour renforcer cette dynamique et donc maintenir le cap, donc la stratégie Sénégal numérique a été élaborée sur une vision qui est de réaliser le numérique pour tous et pour tous les usages, avec un secteur privé innovant et dynamique et innovant et dans un écosystème performant en 2025. Et pour traduire cette vision, donc cette vision a été déclinée en trois prérequis et quatre axes stratégiques. Donc le premier prérequis, c'est avoir un cadre juridique et institutionnel. Donc on avait un cadre qui était déjà existant, mais il fallait le renforcer, il fallait également l'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouveaux contextes. Il fallait également, comme deuxième prérequis, le capital humain qui était important. Il fallait développer un capital humain capable quand même de porter cette stratégie. Et le troisième prérequis, c'est la confiance numérique qu'il fallait créer pour permettre aux acteurs de pouvoir développer leurs activités, que ce soit les acteurs étatiques comme les acteurs privés. Donc l'État avait l'obligation, avait en tout cas l'ambition de créer un environnement de cybersécurité pour pouvoir donc favoriser le développement donc de l'écosystème. Et pour réaliser cette vision, quatre axes stratégiques étaient dessinés, étaient en tout cas dégagés. Le premier axe, c'était de réaliser un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. Deuxième axe, il fallait mettre en place une administration connectée aux services du citoyen et des entreprises. Le troisième axe, il fallait donc travailler à la promotion d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur. Et le quatrième axe, il fallait assurer la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Et globalement, en termes d'objectifs, l'objectif majeur était donc de redonner un nouveau souffle au secteur en apportant de nouveaux relais de et source de croissance aux acteurs. Parce qu'on s'est rendu compte que les télécommunications, qui étaient la source essentielle de croissance, donc ce secteur était arrivé à saturation et il fallait donc, à travers donc cette stratégie, donc redonner un nouveau souffle en apportant donc de nouveaux relais et de nouveaux sources de croissance. Et ceci pour arriver à une contribution du numérique au PIB à l'ordre de 10% à l'horizon 2025, et surtout donc créer une augmentation du PIB sur les autres secteurs par l'effet d'entraînement du numérique sur les autres secteurs à hauteur de 300 milliards de francs CFA. En termes de création d'emplois, l'objectif était de créer 35 000 emplois directs à l'horizon 2025. Et cette stratégie, donc, était en tout cas basé sur un, en tout cas était évalué à un coût global de 1361 milliards. Donc la mise en œuvre de cette stratégie, il fallait mobiliser 1361 milliards, dont les 113% étaient attendus du secteur privé, les 17% devraient venir du secteur public et les 10% en mode partenariat public-privé. Donc, et voilà très brièvement le schéma qui représente la stratégie Sénégal numérique 2025 avec la vision, les quatre axes stratégiques, les prérequis et naturellement le budget et la répartition donc du mode de financement. Et je l'ai dit tantôt, le coût global, donc vous voyez, c'est les 1361 milliards et la répartition du financement. Il faut rappeler que cette stratégie intégrait tous les projets qui sont en cours dans le secteur, mais il y avait également 109 projets et 28 réformes globalement. Donc, il y avait un plan d'action, donc un portefeuille de 69 projets et 28 réformes qui sous-tendaient donc cette stratégie et dont beaucoup de projets ont déjà démarré et beaucoup également sont en cours d'étude. Alors, après la présentation de la stratégie, je m'en vais maintenant
Vous parlez de la politique d'accès universel. Pourquoi? Parce que l'axe 1 de la SN 2025, comme je l'ai dit, comme vous le voyez, consacre un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. Donc la politique d'accès universel est naturellement au cœur de la stratégie Sénégal numérique universelle, puisqu'il constitue l'axe 1 de cette stratégie. Et donc, ici, les objectifs qui sont attendus, c'est véritablement d'assurer une couverture au débit et très haut débit, mais également de réduire les tarifs. Les tarifs, donc que ce soit le tarif du fixe, que ce soit le tarif du mobile, c'est donc de les réduire le maximum pour permettre au maximum de population de pouvoir, en tout cas, pouvoir accéder à ces services de télécommunication et donc à ces réseaux de télécommunication. Et donc, il y avait un objectif de 100% donc d'accès qui était visé, notamment en zone urbaine et en zone rurale. Et on visait un objectif de couverture de 70% du territoire en haut débit mobile d'ici donc les 5 prochaines années et de 90% donc d'ici 2025. Et pour traduire donc cette politique universelle, d'accès universel, il y avait trois orientations donc étaient dégagées dans la SN 2025. La première orientation vise à assurer la couverture du territoire en fibre optique à travers donc le lancement d'un ambitieux programme d'infrastructure numérique avec naturellement des liaisons internationales via les câbles sous-marins, surtout avec les pays limitrophes, mais surtout également un accès à large bande. Et la deuxième orientation, donc toujours en matière d'accès universel, vise à développer le haut débit et le très haut débit fixe comme mobile. Et ici, donc, on encourage les opérateurs donc à travailler pour réaliser le passage à la 4G. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des opérateurs ont aujourd'hui basculé dans la 4G et la 4G plus. Ça a favorisé également le développement et le déploiement donc du haut débit dans les zones rurales. On a déjà un plan haut débit, très haut débit, qui a été déjà validé par le ministère. Et parallèlement également, il y a eu un assouplissement, un allègement de la réglementation concernant les FAI qui aujourd'hui n'ont plus besoin d'un régime de licence, mais juste un régime d'autorisation pour pouvoir donc bénéficier donc de licence. Et enfin, il y a naturellement le déploiement de la télévision numérique terrestre qui est en train de se poursuivre et qu'il fallait également renforcer avec la création donc d'une société qu'on appelle TDSSA. Le troisième objectif maintenant, il fallait promouvoir l'accessibilité. Une fois que les infrastructures, donc l'accès, la connectivité est en place, il fallait penser à favoriser l'accès, l'accessibilité au niveau des populations. Et là, il fallait donc jouer naturellement sur les tarifs et surtout travailler pour développer une politique de service universel. Je crois qu'à ce niveau, le ministère a déjà réactualisé la stratégie de service universel et le fonds est également en tout cas redynamiser pour pouvoir quand même favoriser et financer et accompagner le développement donc des services universels sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones blanches, les régions limitrophes, les régions reculées et dans les zones rurales. Un point d'échange internet a également mis en place et naturellement l'État travaille en partenariat avec notre ministère et d'autres ministères pour donc favoriser l'équipement, l'acquisition d'équipements. Donc, aussi bien pour les étudiants, les élèves, les écoles et les structures de santé et les couches vulnérables. Donc, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs programmes et réformes ont été déjà lancés. L'élaboration d'un plan national haut débit et très haut débit, j'en ai parlé. L'actualisation de la stratégie de service universel et la mise en œuvre de ses organes de gouvernance, là également j'en ai parlé. Il y a également une étude qui a été faite portant sur la mise en place d'un cadre réglementaire pour le partage d'infrastructures. Je pense que le décret de partage a été déjà signé. Et tout récemment, on a enregistré l'arrivée de trois fournisseurs d'accès Internet, à savoir ARC, WOW, Africa Access, et l'arrivée de trois opérateurs mobiles virtuels. Et donc, ceci vient renforcer donc le projet pilote de service universel
qui était en cours dans la région de Matam depuis 2011 et qui vient donc de voir sa licence renouvelée récemment. Donc, cette politique d'accès universel a naturellement favorisé la diffusion du numérique dans le secteur agricole, dans les secteurs prioritaires de l'économie et particulièrement le secteur agricole. Et je dois rappeler que cette diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires, comme vous le voyez, constitue l'axe cadre de la stratégie Sénégal numérique 2025. Et que donc, cette diffusion devrait se traduire naturellement pour le côté agricole par une amélioration de la productivité agricole. Et cette amélioration de productivité constitue donc l'orientation numéro un de l'axe 4 de la stratégie Sénégal numérique 2025. Et pour ce faire, il fallait donc, cette amélioration passe naturellement par la mise en place, c'est-à-dire le développement d'applications numériques qui permettent d'accéder avec facilité aux informations sur toute la chaîne de valeur agricole, que ce soit sur les prix, sur le marché, sur les produits, mais également un peu plus en amont, tout ce qui est sol, tout ce qui est météo, mais également informations sur les nouvelles techniques culturales. Donc, cette amélioration de la productivité agricole suppose également la mise en place donc d'une base de données ouverte des statistiques agricoles. Il y a un projet donc qui est prévu dans ce sens au niveau de la SN25, avec le développement de plateformes logicielles qui seront déployées pour offrir un accès aux données, que ce soit via le mobile, via le web, à tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Il y a également, dans cette même orientation, il est prévu la mise en place d'un dispositif donc de modernisation des activités agricoles avec le développement d'applications qui cette fois-ci vont permettre donc d'assurer la prévision donc des productions en termes de semis, de culture, de récolte et même post-récolte, mais également d'alerte sur les événements majeurs, que ce soit des épidémies pour tout ce qui est donc élevage, etc., mais également les catastrophes naturelles et surtout de sensibilisation sur donc les mesures de prévention que les acteurs de la chaîne agricole donc se doivent de prendre pour se prémunir contre donc naturellement tous ces événements. Alors, cette approche permettra donc de redynamiser la productivité de la chaîne de valeur agricole et surtout de renforcer le potentiel de valeur ajoutée, car comme vous le savez, l'agriculture donc contribue beaucoup à l'économie nationale et ceci se fera à travers l'adoption donc comme je l'ai dit tantôt de technologies numériques, notamment la téléphonie mobile qui est aujourd'hui très répandue, mais également le smartphone et même aujourd'hui les objets connectés et des systèmes d'information géographique et même l'imagerie du satellite que vous allez voir, beaucoup de startups ont aujourd'hui intégré donc dans leur process, donc dans leur offre de solutions digitales pour l'agriculture. Donc, ce chapitre donc clôt la première partie momentanément sur laquelle on va revenir cette fois-ci un peu plus loin, mais permet également d'aborder la deuxième partie qui est consacrée donc aux politiques de promotion d'entrepreneuriat digital donc que l'État du Sénégal a eu donc à développer pour favoriser d'une part l'innovation, pour favoriser également le développement d'un écosystème créatif, un écosystème innovant, et donc qui pourra donc accompagner la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025. Et comme vous le voyez donc, l'axe 3 de cette stratégie est consacré donc à la promotion donc d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur, et que donc cette taxe 3 a pour objectif trois objectifs majeurs, parmi lesquels l'amélioration du climat des affaires et surtout permettre aux acteurs d'évoluer dans un environnement propice à la création de richesses et à la création d'emplois. Il y a également le fait de favoriser l'accès donc des PME et des startups donc
à la commande publique et sur, donc pour permettre la création de 300 000, 6 000 emplois, donc 3 000 emplois qualifiés par an d'ici 2025, et surtout lancer donc un projet qu'on appelle Startup Sénégal, donc dont l'objectif est d'incuber 100 entreprises par an, et donc et d'injecter donc 1 milliard de francs CFA à la promotion, 1 milliard maintenant devenu 3 milliards à partir de cette année. Et tout ceci, donc, c'est des objectifs qui sont déclinés. Pour réaliser ces objectifs, trois orientations ont été définies par le gouvernement du Sénégal. Donc, la première orientation vise à améliorer donc l'environnement de soutien au secteur privé local. Et dans cette optique, donc, l'État est en train de travailler à la mise en place et à l'opérationnalisation d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat et à la promotion donc du numérique, mais également l'octroi donc de lignes de crédit aux PME à travers les différents fonds qui sont mis en place, et surtout une révision donc de tout ce qui est taxes, donc pour alléger également la fiscalité et permettre aux startups et PME donc de pouvoir évoluer dans un environnement moins contraignant. Et il y a également un projet de soutien à l'incubation qu'on appelle e-startup, qui est également en cours donc d'études de faisabilité. Et surtout, l'État envisage également la mise en place de pôles d'activité numérique. L'axe 2, donc, de cette l'orientation 2 vise à promouvoir l'investissement et les exportations de services. C'est dans cette optique donc que l'État a décidé de mettre en place le projet de ville numérique de Diamniadio, qui a commencé avec la première phase axée sur le parc, un parc de technologie numérique, donc que je vais présenter un peu plus loin. Donc le parc technologique de Diamniadio, et surtout maintenant travailler également pour créer des champions au niveau du Sénégal et favoriser donc un peu donc notre classement dans tout ce qui est du business. Enfin, la troisième orientation donc de cette taxe est consacrée à une série de réformes. Notamment, j'en ai parlé tantôt, essayer de réformer le code des marchés publics. Je pense que à ce niveau, l'État est en train de faire un travail important avec un projet de loi sur les startups. Je vais y revenir tout à l'heure. Et également, il y a le code donc des communications, des télécommunications, qui a été révisé pour devenir le code des communications électroniques, qui a également consacré des réformes et des innovations très importantes en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Alors, je le disais tout à l'heure dans ma présentation, il y a eu un projet extrêmement important qui a été développé, qui est le parc de technologie numérique de Diamniadio, donc qui a été un des projets phares, donc en tout cas de l'État du Sénégal, et qui vise quand même à créer un environnement favorable donc à la création, au développement donc et à l'éclosion donc de toutes les PME et startups de l'écosystème, mais également à créer donc une zone dédiée qui va attirer également les entreprises qui sont à l'extérieur. Et donc le parc de technologie numérique est aujourd'hui en phase de construction. Et donc, à terme, vous voyez, comme vous le voyez, il y aura donc trois tours d'espace, donc de bureaux qui sont prévus. Il y aura un centre donc de BPO, d'exploitation de services BPO qui est prévu. Il y aura un data center tier 3, un incubateur de start-up, un centre d'études et de recherche, donc un centre de production audiovisuelle également, et un centre commercial et médical, et surtout des résidences. Et donc, pour rappel, il y a un investissement de 46,314 milliards d'investissements qui ont été financés par la BAD à hauteur de 40 milliards et 6 milliards pour l'État du Sénégal en termes de contrepartie. Et cela permettra donc de créer 35 000 emplois directs et plus de 105 000 emplois indirects. Et le parc s'étend sur une superficie de 25 hectares, donc à Diamniadio, c'est-à-dire à 20 minutes de Dakar. Alors, il faut rappeler que la plupart donc de ces, en tout cas, constructions,
sont déjà ont déjà commencé parce qu'il y a le data center dont la construction a déjà commencé. Et pour les autres, les marchés ont été lancés et pour la plupart, c'est des marchés qui sont à tourbillon. Donc, on espère que d'ici 2022, en principe, le parc pourra être opérationnel. Alors, à côté du projet de parc de technologie numérique, l'État développe également d'autres politiques d'accompagnement, cette fois-ci à travers la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, l'ADER, qui, comme vous le savez, a été créée fin 2017 et qui consacre en tout cas un volet important à l'économie numérique. C'est vrai que l'ADER couvre les autres secteurs, mais on s'est rendu compte que donc dans son intervention, il y a un volet important qui a été consacré donc à l'économie numérique. Et pour la première année déjà, en 2018, 1 milliard avait été investi par l'ADER pour financer 45 startups. Donc, naturellement, 30% sont totalement ou en partie détenus par des femmes. Et que donc, parmi ces startups, donc, on a cité quelques, dont Bayseedo, qui est naturellement dans le domaine de l'agriculture. Et que donc, ce montant a été revu à la hausse à partir de 2019. Et donc, ça veut dire que pour les prochaines 5 ans ou 3 années, donc les prochaines 5 années, l'ADER ambitionne donc de financer chaque année, de consacrer 3 milliards donc, pour financer le secteur de l'économie numérique à travers le fonds de soutien au numérique. Alors, à côté donc du volet financement, il y a également un projet important au niveau de l'ADER qui est la construction donc d'un hub d'innovation. Je pense que la première pierre a été déjà posée au niveau de Mermoz. Et comme je l'ai dit, il y a donc 3 milliards qui seront consacrés chaque année pour accompagner donc les PME et les startups du secteur de l'économie numérique chaque année. Il y a également la mise en place prochaine de clusters, que ce soit FinTech, AgriTech, e-santé et logistique qui est prévu. Et surtout, un dispositif d'accompagnement en partenariat avec le ministère pour davantage incuber, accélérer les startups et surtout aider à développer donc les activités d'export de services IT. Donc, tout ceci, il faut le rappeler, entre en droite ligne avec les objectifs donc qui ont été définis dans la stratégie Sénégal numérique 2025, qui est notamment l'objectif de positionner le Sénégal comme un hub de référence du digital, donc au niveau africain. Autre programme d'accompagnement, c'est le lancement donc du programme Startup Sénégal, on appelle e-Startup, et un fonds d'appui à l'entrepreneuriat et à la promotion du numérique qui sera bientôt créé au niveau du ministère. Et l'objectif qui est visé ici, donc, c'est de permettre au Sénégal donc d'être une destination privilégiée pour les porteurs de projets. Et donc, entre autres résultats attendus, c'est de faciliter la création et le développement. Donc, ce fonds et donc ce programme vont permettre de faciliter la création et le développement donc d'entreprises innovantes, mais également de renforcer les capacités techniques et les capacités managériales des startups, de renforcer l'écosystème de financement naturellement, de promouvoir un environnement légal, un environnement incitatif, et surtout donc d'assurer la promotion d'une culture de l'innovation et donc d'une culture de l'entrepreneuriat au niveau national. Alors, je l'avais dit également, à côté de ça, le Sénégal est en phase d'adopter donc une loi donc sur la création et la promotion de la start-up au Sénégal. Je rappelle que lors du dernier Conseil des ministres, le projet de loi a été adopté et que je pense qu'il sera bientôt voté par l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette loi a été donc l'aboutissement, en tout cas, d'un processus qui a démarré depuis 2017 et un processus interactif entre les acteurs étatiques que j'ai cités, mais également avec l'écosystème des startups. Et que donc, il y a eu plusieurs échanges. Donc il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu plusieurs donc plusieurs ateliers de réflexion qui ont permis donc au gouvernement de pouvoir en tout cas
prendre en compte toutes les préoccupations et de pouvoir donc, en tout cas, avoir un projet de loi qui aujourd'hui prend en compte aussi bien les préoccupations du secteur privé, les préoccupations des startups, de la société civile, mais également les préoccupations étatiques. Et l'objectif ici, c'est la création d'un cadre spécifique d'appui donc et de gouvernance donc des startups de droit sénégalais, mais surtout la mise en place donc d'un régime juridique qui est adapté pour notamment favoriser l'enregistrement et la labellisation des startups au Sénégal. Je pense que ça a été une vieille doléance, donc une revendication, et que l'État du Sénégal donc a bien pris en compte cette nécessité d'assurer un régime juridique qui est adapté donc aux acteurs de l'écosystème qui, comme vous le savez, ont une certaine particularité en termes de modèle économique, en termes également d'absence d'actifs tangibles, etc. Et donc ces spécificités donc ont été bien prises en compte dans le projet de loi. Ça, le projet de loi prévoit également la création d'un centre de ressources dédié aux startups sénégalais en vue de faciliter les procédures de labellisation et surtout les mécanismes d'appui à la mise en place. Enfin, il y a la consécration d'un paquet de services. Donc, l'État est en train de développer tout un programme d'accompagnement qui, une fois les startups seront enregistrées et une fois qu'ils auront franchi l'étape de labellisation, donc auront droit à un paquet de mesures incitatives pertinentes qui va leur permettre donc de pouvoir travailler, de pouvoir se développer et de pouvoir donc devenir des champions. Et le ministère qui a en charge le développement de l'économie numérique pour opérationnaliser donc ce projet de loi a déjà initié donc un processus d'enregistrement et de labellisation des startups. Au moment où je vous parle, plus de 300 startups et PME sont déjà enregistrés. Et il y a une cartographie qui a été faite qui permet aujourd'hui donc de positionner les différentes startups et PME en termes de secteur d'activité, mais surtout d'analyser leurs besoins en termes d'accompagnement, en termes de financement. Et que donc l'objectif ici, c'est de renforcer la politique d'accompagnement, la politique de soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation initiée par l'État du Sénégal. Et que donc, à terme, le processus a été quand même mené de façon inclusive et ça va permettre donc d'opérationnaliser toutes les dispositions qui sont fixées dans le projet de loi sur les startups. Alors, pour terminer cette politique d'accompagnement, je voudrais faire donc une fenêtre sur l'écosystème agritech au Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, le ministère vient de réaliser donc une étude portant identification et cartographie des startups et PME du secteur de l'économie numérique. L'étude vient juste de se terminer et il sera bientôt publié. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que cette étude montre que le secteur agricole occupe un pourcentage de 31% des startups et PME de l'écosystème numérique. Et ce pourcentage est extrêmement important, même si ça vient après le commerce, après l'administration. Donc, ce pourcentage permet de positionner le secteur agritech devant même la fintech. Donc, voyez un peu donc le schéma qui a été donc un peu l'étude, la cartographie donc pour surtout ce qui est donc répartition des startups et PME dans les différents secteurs de l'économie. Ça montre que donc il y a une part importante des startups qui aujourd'hui sont en train d'évoluer donc dans le secteur agritech. Alors, ces startups et PME exercent divers types d'activités hein, dans le domaine de l'agritech, qui vont de la distribution des produits à la réduction de la pauvreté, à la sauvegarde des acquis des éleveurs avec des solutions au fléau. Mais également, il y a certains qui sont dans le domaine de recyclage, la transformation des déchets, de l'accès à l'électricité, au potable, mais également la conception de tout ce qui est machine technologique. D'autres sont dans la promotion de l'agriculture, aussi bien la production végétale, animale, mais des prestations de services également en santé animale, des conseils en santé animale. Il y a des plateformes, des startups qui favorisent l'interconnexion
entre les acteurs agricoles, mais également entre les acteurs du monde agricole avec les autres acteurs, surtout les acteurs du monde financier, surtout dans le domaine du marché agricole. D'autres évoluent dans le domaine de l'aménagement, irrigation, goutte à goutte, adduction d'eau, terrassement. Il y en a certains même qui sont dans le terrassement, mais surtout dans l'automatisation des installations agricoles. Il y a d'autres qui sont dans l'accompagnement à la production, à la distribution, entre autres. Ça veut dire que toutes les activités de la chaîne de valeur agricole, sur toutes ces activités, donc les startups sont en train de se positionner pour en tout cas apporter de l'innovation par l'utilisation du digital. Alors, je vais en citer quelques, en tout cas, qu'on a identifiés, quelques startups qu'on a identifiées qui sont dans le domaine de l'agritech. Il y a Biotech Afrique, qui est en tout cas une startup qui développe une plateforme qui vise à informatiser les données, les informations techniques, et qui sont recherchées surtout par les agriculteurs. Et ceci pour rendre l'information agricole accessible via donc les téléphones portables surtout. Nous avons également Dictaf Corporation, qui est une entreprise de conseil en agriculture et qui propose donc une plateforme donc sur laquelle les agriculteurs peuvent donc émettre des alertes pour informer de leur détresse, de leurs problèmes dans leur champ, et surtout l'utilisateur qui accède à la plateforme par son téléphone peut lancer un SOS. Il y a DMS, développement de matériel synthétique, donc qui est une start-up qui développe de l'irrigation avec l'usage donc de tuyaux goutte à goutte en matière donc de plastique recyclé. Et derrière, naturellement, il propose un service après-vente et une formation pratique à l'utilisation donc du système d'irrigation. Nous avons également eu à recevoir Widim Pump, qui est une start-up qui a développé un système interconnecté donc avec un puce GSM qui est installé sur un modem qui est branché sur donc un boîtier, donc qui à partir d'une commande à distance donc permet de lancer l'irrigation, mais surtout également cette commande permet de pouvoir déclencher l'arrosage ou de l'arrêter et avoir des statistiques également sur l'utilisation, la quantité d'eau qui est utilisée donc pour pendant l'arrosage. Il y a Daral Technologie qui est spécialisée donc pour tout ce qui est statistique sur l'élevage, mais également qui a travaillé pour identifier donc les éleveurs avec leur bétail. Audi, qui est une plateforme de mise à disposition et donc troc avec les graines. Il y a Iogen, Baisedo 2.0 également, qui est une plateforme de mise en relation entre agriculteurs qui ont des terres et qui sont en recherche de financement, donc avec des investisseurs qui veulent donc financer. Donc c'est une plateforme de mise en relation. Doliment, donc Club Kossom, qui confectionne des produits laitiers et qui les dépose donc dans des frigos à Dakar une fois par semaine. Bon, il y a également Lifontu. Il y a Mlouma, plateforme web et mobile qui permet aux agriculteurs et aux industries donc agroalimentaires de prendre la meilleure décision de vente, donc d'avoir l'information sur le marché et de pouvoir donc choisir le meilleur client. MyAgri, Ngunu, Soretul. Bref, il y a tout un écosystème donc de start-up qui aujourd'hui en tout cas ont développé des solutions très innovantes, des solutions quand même que nous avons partagées avec eux et qui aujourd'hui sont en train donc de révolutionner petit à petit donc l'activité agricole au Sénégal. Et je vais terminer ma présentation en faisant un zoom sur un projet de coopération que la FAO déroule avec l'État du Sénégal, qu'on appelle Service agricole et inclusion digitale en Afrique, SAIDA. Alors, c'est un projet, comme je l'ai dit, hein, c'est un projet à vocation régionale, donc qui est développé au Sénégal et au Rwanda. Donc, dans la phase pilote, il y avait deux pays qui étaient choisis, le Sénégal et donc le Rwanda. Et que donc, ce projet s'inscrit dans le cadre donc des efforts visant à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment le premier objectif de la FAO, qui est de contribuer à l'élimination de la faim, l'insécurité alimentaire et de la malnutrition.
Il cadre naturellement avec les orientations du plan Sénégal émergent, donc qui, comme je l'ai dit tantôt, se propose de réaliser la transformation structurelle de l'économie par le développement de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, la production animale, ainsi que la pêche et l'aquaculture. Alors, dans sa phase pilote, donc, je l'ai dit, au Sénégal, le projet, la région de Tambacounda a été choisie quand même pour dérouler cette phase pilote, donc, et qui visait les ménages, surtout les petits agriculteurs, les petites entreprises agricoles et les agriculteurs qui pratiquent une agriculture de subsistance et surtout les groupes de consommation dans les zones rurales et périurbaines, donc, qui étaient les principales cibles. Et donc, comme objectif, il fallait donc travailler pour mettre en place quatre applications, une portefeuille de quatre applications qui vont fournir des services de conseil qui répondent aux besoins concrets et quotidiens des ménages vulnérables, des ménages à revenus réduits, à travers l'accès des producteurs et des ménages ruraux aux technologies, aux connaissances, aux intrants et aux marchés appropriés, et surtout la mise à disposition de services d'information, de services de conseils techniques et de qualité sur l'agriculture, sur la nutrition, ainsi que sur les perspectives socio-économiques. Alors, la mise en œuvre donc de cette phase pilote a permis de développer quatre applications mobiles. Alors, la première application est dédiée aux services numériques pour la production, la santé animale. Comment nourrir et comment soigner les bêtes? Donc, c'est une application de service, une application de conseil dédiée donc à la santé animale. Alors, ça veut dire que cette application qui va fonctionner sur smartphone, sur téléphone, donnera les informations et les conseils en temps réel aux familles d'agriculteurs qui produisent du lait, qui produisent par exemple des œufs, qui élèvent de la volaille, qui élèvent des ruminants. Donc des informations qui vont leur permettre de pouvoir donc mieux, en tout cas produire, mieux exploiter et mieux entretenir donc tous les produits qui seront issus donc de leurs activités. Ensuite, il y a une deuxième application qu'on appelle e-Nutrifood qui est de produire et consommer des aliments nutritifs. C'est un service de conseil à la nutrition. Une fois que les produits sont donc produits, excusez-moi la répétition, donc il y a une application qui va donc permettre de pouvoir donc consommer les aliments qui sont nutritifs. Donc cette application donne chaque jour des informations donc sur le sujet que l'utilisateur pourra donc enregistré pour pouvoir donc travailler. Par exemple, les coûts de maïs. La troisième application qu'on appelle donc une application d'information météo et d'information sur le calendrier agricole. Donc, cette application est fondée sur des SMS qui sont fournis sur les prévisions météorologiques de base, notamment des prévisions qui sont simples sur la pluviométrie, mais également sur la culture végétale, l'eau, le sol, etc., qui répondent aux besoins donc des familles des agriculteurs. Et que donc ceci permettra donc aux agriculteurs qui sont dans les zones rurales, mais également les femmes et les jeunes d'être plus autonomes. Enfin, le quatrième service, la quatrième application, donc est appelé AgriMarket. Donc, ça fournit des informations donc sur le marché, sur les transactions et permet donc à chaque agriculteur donc d'être recommandé à tel ou tel fournisseur, donc de pouvoir également indiquer le prix de telle ou telle denrée suivant le marché, suivant la localité, pour permettre donc aux agriculteurs qui ont des produits à vendre de pouvoir s'orienter vers donc le marché où il y a donc les meilleurs tarifs, les meilleurs coûts. Voilà donc
les quatre applications qui aujourd'hui ont été développées dans le cadre de ce projet. Alors, le projet, naturellement, a associé l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture pour la partie agricole, le ministère de l'Élevage, mais également ANACIM et notre ministère pour tout ce qui est hébergement, tout ce qui est également connectivité. Et au terme de ce projet, de la phase pilote, les applications ont été développées. Et donc, en relation avec Ankar, il y a donc un atelier qui a permis donc de rétrocéder toutes les applications qui sont aujourd'hui, qui seront exploitées par l'agence Ankar, qui est donc l'agence nationale de conseil donc agricole, en relation naturellement avec le ministère de l'Agriculture, donc le ministère de l'Élevage et le ministère en charge de télécommunications. Donc voilà, très brièvement, la présentation de ce projet qui, on l'espère, va bientôt démarrer une phase d'extension dans les autres zones rurales, notamment vers la zone du bassin Arachidier, qui est donc une zone très agricole, mais également vers la région du fleuve et la région donc de la Casamance. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette première, en tout cas, de cette présentation, qui, il faut le reconnaître, en tout cas, nous a permis de présenter l'essentiel donc des politiques, l'essentiel donc des programmes qui ont été développés, que ce soit en matière d'accès universel, mais également en matière de diffusion du numérique dans l'agriculture, mais surtout en matière de promotion, d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Donc, je reste attentif donc à vos questions et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sall. Vous m'entendez, Nabou? Oui, on vous Ok, entend bien, merci. Ousmane. Voilà, ok. Merci, Monsieur Sall. Ça a été une présentation magistrale. Je pense que le simple volume de toutes ces initiatives et activités du gouvernement du Sénégal explique la place que vous avez aujourd'hui dans la cartographie digitale au niveau du continent. Merci encore pour votre disponibilité et merci à Madame la ministre pour avoir bien voulu vous permettre de venir discuter avec nous, échanger avec nous sur les expériences du Sénégal. Ce qui est notoire dans votre présentation, c'est d'abord le positionnement stratégique et la vision du gouvernement qui s'étend sur 5 ans ou plus et qui a une bonne compréhension de ce que le Sénégal devrait être, non seulement au niveau régional et international, mais aussi le Sénégal en tant que démembrement administratif, en tant que secteur économique et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une stratégie, une vision qui sont à la fois très claires et surtout très, très focalisées sur les actions les plus importantes pour faire avancer la technologie ou bien les technologies digitales. Le fait que le Sénégal mette le point sur l'accès universel est extrêmement important. C'est en fait ça un des éléments distinctifs qui en fait distingue le Sénégal par rapport aux autres 6 ou 7 pays qui sont en tête aujourd'hui en Afrique. Les autres sûrement ont aussi les mêmes objectifs, mais le Sénégal a pu instrumentaliser, a créé des instruments pour assurer cet accès universel. C'est que donc, je pense, la première porte d'entrée, parce que le numérique, c'est pour être utilisé aussi bien par les fournisseurs de services que par ceux qui consomment ces services-là. Donc, l'accès universel est très important. Et que cela se fasse avec des interventions aussi concrètes qu'au niveau infrastructure, au niveau des coûts, partenariat avec le privé, je pense que ça, c'est des axes prioritaires et je pense que ça porte ses fruits. Le service universel, qui dit accès universel, devrait pouvoir dire service universel. Sinon, à quoi servirait cet accès, ouais? Nos évidences ont démontré que l'accès à l'Internet, l'accès aux technologies digitales n'a d'impact que si il est accompagné par un contenu qui est pertinent et un contenu qui crée de la valeur pour les utilisateurs. Donc, les services universels sont extrêmement importants. Okay. Mais c'est aussi très important ce que vous faites, c'est
tout ce qu'il a comme soutien et partenariat avec le privé. J'ai très bien apprécié l'utilisation de la commande publique comme un instrument, un levier de promotion du secteur privé. Je pense que si on regarde nos différentes économies, en termes de pouvoir d'achat, le public comparé au privé, c'est un marché important du niveau du côté du gouvernement, et créer au niveau de ce marché des portes d'entrée pour le privé national permettrait effectivement de donner une source de vie à ces startups et ces PME dans l'espace digital. C'est quelque chose que je n'ai pas pu voir dans d'autres pays, mais ça, je pense que ce serait extrêmement important de le faire et de l'affiner. Tout ce qui est incubation, hub et clusters, aussi très important. Les éléments, les instruments de financement, les lignes de crédit, les mesures fiscales, tout ça, c'est un ensemble extrêmement important également pour faciliter non seulement l'entrée dans l'écosystème, mais aussi la croissance de ceux qui y sont déjà. Le parc numérique de Diamniadio, ça, je pense, c'est un pas stratégique extrêmement important. Ça me rappelle au début des années 2000 l'expérience de la Malaisie avec ce qu'ils appelaient Putrajaya, ou bien c'est une ville cyber qu'ils avaient créée. Je pense que c'est à 60 km, je ne sais pas combien encore de Kuala Lumpur, et avec toutes les infrastructures imaginables pour attirer le secteur privé national et donner une impulsion au numérique, je pense que le parc de Diamniadio pourrait jouer ce même rôle. Et enfin, ce qui est aussi important, c'est que les autres fonds, mais ici au Sénégal, ça s'ajoute à tout un groupe d'interventions et d'actions, c'est les réformes légales que vous apportez également pour permettre à ce nouveau secteur qui est en fait un nouvel animal, comme on dirait, permet à ce secteur-là de pouvoir se retrouver également dans l'environnement légal de nos économies. Donc, merci pour cette très riche présentation. Et donc, je vais ouvrir les séances de questions et réponses. Nous avons, je pense, enregistré la première question qui est de Elhaji Malik, qui demande, parlant de la digitalisation de l'agriculture, surtout au niveau ferme, est-ce que vous pensez vraiment que cela soit possible avec la 4G? Est-ce que la 4G est le meilleur instrument pour faire avancer la digitalisation de l'agriculture, surtout au niveau des fermes? Vous pouvez répondre, comme ça je vais prendre les autres questions comme elles viennent. D'accord. Merci beaucoup. S'agissant de la digitalisation de l'agriculture, je pense que j'ai tout à l'heure parcouru quand même un écosystème qui est en train de se développer au Sénégal. Donc, avec qui quand même on a eu à échanger, avec qui on a eu à partager leur projet, leur programme et leurs difficultés. Mais je pense que si vous regardez bien, la plupart des services qui sont fournis, donc c'est des services d'information, c'est des services donc de conseil. Donc, c'est également des services qui permettent aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, avoir l'information sur toute la chaîne de valeur, et surtout de pouvoir maintenant orienter l'agriculture. Donc de ce point de vue-là, je pense que la 4G peut être parfaitement, en tout cas, adaptée, parce qu'on n'utilise pas encore beaucoup de données, et même si c'est les données, je pense que c'est peut-être dans les zones rurales, dans les zones reculées, où peut-être on a encore une présence faible de la 4G, qu'il y aura donc peut-être avoir quelques problèmes. Mais je pense qu'avec l'État, en tout cas, en est conscient. Et c'est la raison pour laquelle il y a un plan de haut débit et de très haut débit qui a été validé et que l'État va accompagner, que l'État va donc suivre pour la mise en œuvre. Et ça va permettre donc une couverture des zones rurales avec la 4G et la 4G+. Et je pense que si on parvient donc à amener le haut débit et le très haut débit, surtout dans les zones rurales, donc on pourra
avoir donc une bonne politique de digitalisation du monde agricole. Donc, actuellement, il n'y a que les zones reculées, les zones rurales où il y a des problèmes parce que c'est donc le haut débit et surtout la 4G ne sont pas encore disponibles. C'est ça qui constitue un peu les obstacles, mais je pense que dans le plan de développement, dans la mise en œuvre de la FN25, donc, on va travailler pour que les technologies de 4G puissent être accessibles dans les zones rurales qui sont des zones, donc des foyers agricoles par excellence et qui donc permettront de digitaliser carrément, d'accéder en tout cas aux services agricoles digitaux. Merci. Parfait, merci. Okay. Donc là, la question, ce n'est pas être une ferme ou une entreprise, c'est plutôt l'accès à l'infrastructure 4G qui est quelque chose de décisif. Très bien, merci. Parfait. Merci. Une seconde question qui vient de... seconde question, il n'y a pas de nom, mais la question c'est par rapport au système SMS, la question c'est de savoir si les producteurs seront en mesure de lire les messages vu qu'il y a un taux d'affectation assez fort en milieu rural. Un taux d'affectation assez faible en milieu rural. Effectivement. Comment pourrait-il utiliser les services SMS? Effectivement, je pense que dans beaucoup de projets, surtout dans le projet Services agricoles inclusion digitale, cette question quand même a été agitée à plusieurs reprises. Et je pense que il y a eu même, en tout cas, des orientations qui avaient été définies, qui visaient un peu à utiliser, puisqu'il y a des SMS qui sont écrits dans les langues nationales, par exemple, Wolof, Alpoular, puisqu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont alphabétisés. Mais il y a également d'autres qui disaient qu'il fallait aujourd'hui également pallier ça en utilisant donc de la voix, donc de l'audio, qui est beaucoup plus compréhensible par les populations. Mais j'avoue que le SMS peut être, en tout cas, une modalité, en tout cas, d'accès à l'information qu'on peut utiliser. Mais aujourd'hui, avec le développement de la 4G, on pourra pallier ça en développant davantage de la voix pour permettre à ceux qui ne savent pas lire en français de pouvoir, en tout cas, écouter les audios et comprendre, mais également avoir des SMS dans les langues nationales. Donc, c'est une problématique qui est là et qui a été quand même agitée à plusieurs reprises. Et je pense que les solutions, en tout cas, sont là et nous pensons pouvoir, donc, en tout cas, dépasser cette petite contrainte. Parfait. Je pense que l'important, c'est qu'il y aura toujours une combinaison de plusieurs instruments. Tout à fait. Ça ne sera pas seulement les SMS, ça ne sera pas seulement la vocale, ça ne sera pas seulement les images, ça sera le tactile, ça sera beaucoup de choses. Effectivement. Okay. Et je pense que c'est avec ça qu'on pourra toucher le maximum d'acteurs. De Guilain Colli, il demande quels dispositifs sont mis en place pour accompagner les startups agritech à acquérir de nouvelles connaissances. Donc, renforcement de capacités, partenariat, acquisition de logistique. Quelles sont les interventions, les initiatives du gouvernement pour mieux équiper les agtech en termes de nouvelles connaissances? Alors, je pense que j'ai peut-être répondu dans mon intervention à cette question. Comme je l'ai dit, pour rappel, il y a tout un dispositif d'accompagnement que l'État est en train de mettre en place, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, que ce soit au niveau du financement, mais également au niveau de tout ce qui est allègement fiscal. J'ai parlé du parc de technologie numérique qui est ouvert à toutes les startups, y compris, qui sera ouvert en tout cas à toutes les startups, y compris les startups qui sont dans le secteur agricole. J'ai également parlé du fonds de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. J'ai parlé également de l'ADER, donc qui gère en tout cas, qui injecte chaque année, à part de cette année, 3 milliards pour les entreprises du secteur du numérique, parmi lesquelles naturellement les entreprises du secteur agritech. Alors, et la loi, maintenant, elle est là également pour affirmer le régime juridique donc, de ces startups et donc également prévoir un régime, en tout cas un cadre incitatif qui leur permet donc de pouvoir accéder davantage à la commande publique, de pouvoir également
bénéficier d'exonérations qui leur permettront donc de pouvoir, en tout cas, se développer davantage, mais aussi d'avoir accès à un programme de renforcement et d'accompagnement, renforcement de capacité et d'accompagnement technique, managérial à travers le centre de ressources. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est que le gouvernement est en train de travailler pour un peu, en tout cas, réorganiser le secteur des startups. Réorganiser, ça veut dire qu'il doit les aider à pouvoir s'enregistrer pour que chaque startup qui aujourd'hui est créée peut s'enregistrer au niveau du ministère. Et une fois qu'il sera enregistré, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va bénéficier d'un quitus d'enregistrement, comme quoi il est enregistré dans la base de données nationale, ça c'est important. Ensuite, il y aura maintenant un comité d'évaluation qui va bientôt commencer à travailler. Donc, périodiquement, on va recevoir les startups pour voir, en tout cas, quel est leur modèle économique, quel est le caractère innovant, quel est leur impact. De partager tout ce qu'ils sont en train de faire, de faire une évaluation sur quels sont leurs besoins en termes d'accompagnement, en termes de financement. Et sur la base de ça, la start-up peut être labellisée start-up nationale ou au cas échéant, il aura encore besoin d'être accompagné pour pouvoir améliorer son modèle économique, son business model, renforcer ses capacités techniques, managériales et faire un deuxième passage. Maintenant, les start-up qui seront labellisées, l'État a tous les paquets de services que l'État est en train de mettre en œuvre, que ce soit le financement de l'ADER, que ce soit tout ce qui est prévu dans la loi en termes d'exonération, en termes d'accès à la commande publique, mais également l'accès au PTN. Donc, il y a un paquet de services auxquels ils vont accéder automatiquement. Et ceci pendant une période bien définie, parce que la start-up doit évoluer. Donc, voilà. Il y a vraiment tout un paquet qui a été, que l'État est en train en tout cas de construire et qui est mis à la disposition des startups. Et le ministère maintenant travaille pour pouvoir quand même faciliter l'accès donc de ces startups à ce paquet d'accompagnement, à ce paquet de services. Merci, Monsieur Sall. Donc, il y a une requête ici qui s'agit de savoir si vous pourriez mettre les références du projet de loi relatif aux startups au Sénégal. Je pense que vous avez mentionné ça dans votre présentation. Donc, si vous pouvez remettre peut-être les références, ça on pourra le faire peut-être après. Oui. Par email aux participants qui désireraient le recevoir. Une seconde question, enfin une autre question, c'est est-ce que le ministère collabore avec des ONG relais pour faire bénéficier ces services, donc les services du ministère, aux organisations de producteurs? Comment travaillez-vous pour toucher, pour aller jusqu'au niveau des producteurs, au niveau local, vu que le ministère a quand même est un peu concentré? Est-ce que vous travaillez avec les ONG dans ce cadre? Alors, comme vous le savez, la mission du ministère, c'est vraiment de définir, de proposer et de mettre en œuvre la politique nationale définie par le chef de l'État, le chef de l'État, le président de la République, en matière donc de développement donc, et de promotion de l'économie numérique. Je pense qu'à ce niveau, il y a tout ce qui est réforme, donc la stratégie a été élaborée, validée, et peut-être j'ai rappelé de le préciser, cette stratégie commence déjà à faire l'objet d'une réactualisation. Il y a déjà un processus de réactualisation de cette stratégie qui a été lancé pour adapter le portefeuille de projets, intégrer les nouveaux projets, intégrer les nouveaux enjeux, parce que nous sommes dans un secteur qui évolue très rapidement. Donc, il y a également, dans le domaine juridique également, le cadre réglementaire, le cadre incitatif. Donc, le ministère travaille pour véritablement qu'il y ait un cadre juridique adapté et qu'il y ait également un cadre juridique qui est incitatif. Maintenant, à côté, il y a une politique de promotion que le ministère développe qui vise donc à soutenir, à accompagner toutes les initiatives, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de Dakar ou bien dans les régions. Le ministère donc porte un certain nombre de projets qui aujourd'hui intéressent beaucoup d'acteurs, que ce soit dans les secteurs économiques prioritaires comme l'agriculture, la santé et surtout l'éducation. Nous avons des projets et programmes de promotion.
Nous avons également des projets et programmes qui visent donc à créer des centres, des cybercentres. Il y a les centres multimédia communautaires qui sont présents dans presque une dizaine de régions et aujourd'hui le ministère est en train de les évaluer pour les mettre à niveau. Donc, à côté de tout ce qui est politique, gouvernance, il y a donc ce volet promotion que le ministère aujourd'hui entend redynamiser pour pouvoir donc être plus près des utilisateurs, mais également pour pouvoir donc apporter, en tout cas, réaliser la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires, mais également auprès des couches vulnérables, que ce soit les femmes. Nous avons également au niveau du ministère un projet qu'on appelle Genre et TIC, qui vise en tout cas l'inclusion donc des femmes. Nous avons également un projet dénommé Handicapé et TIC, qui permet également d'inclure les couches vulnérables. Donc, il y a tout un ensemble de projets et de programmes que le ministère est en train de développer à l'endroit des citoyens, à l'endroit des populations. Alors, à côté aussi, nous avons l'ADIE qui est aujourd'hui sous notre tutelle, qui est en train de développer des projets extrêmement importants. Le projet Smart Sénégal, le projet Safe City, le projet La Maison du Citoyen. Donc, c'est des projets extrêmement importants qui visent donc à ouvrir dans chaque capitale régionale une maison du citoyen où il y aura donc un ensemble de services qui seront développés et qui seront accessibles aux citoyens sénégalais. Je ne sais pas si Parfait. j'ai répondu. Ouais, je pense que peut-être tout juste, est-ce qu'il y a des ONG relais avec lesquelles vous travaillez ou vous faites tout ça dans le cadre de l'administration? Oui, je vous ai dit qu'on était en train de travailler avec l'AFAO, on a participé à son projet. Mais également, il y a une, je ne sais pas si c'est une ONG, une association qui s'appelle, qui évolue dans le domaine de l'éducation. Ça s'appelle Coalition pour l'éducation pour tous, avec lesquels nous sommes en train de travailler pour pouvoir quand même porter un plaidoyer pour que l'éducation, les TIC puissent être intégrés au niveau de l'éducation. Parfait. La prochaine question, je pense que vous avez en partie déjà apporté une réponse, mais c'est peut-être un peu plus de détails. Donc, vu le problème de connexion que nous avons en zone rurale, Monsieur Kitika voudrait savoir quels sont les programmes du gouvernement en collaboration avec les opérateurs afin de faciliter l'accès et la transmission des informations au niveau champ, au niveau ferme. Effectivement. Ici, l'État agit sur plusieurs leviers. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'obligation de couverture, qui est donc faite aux opérateurs de couvrir quoi, les zones rurales et surtout de couvrir donc les villages qui ont aujourd'hui plus de 200 habitants. Donc, c'est une obligation qui est aujourd'hui incluse dans les cahiers des charges des opérateurs. Et l'État travaille quand même pour que les opérateurs puissent respecter donc cette obligation de couverture. Alors, l'autre levier, c'est, comme je l'ai dit, le projet de service universel qui est en train de dérouler dans la région de Matam depuis 2011, un projet de couverture, donc, qui a vu l'État du Sénégal octroyer une licence de service universel donc à l'opérateur Hayo, qui aujourd'hui couvre pratiquement toute la région de Matam, qui était une région déserte, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas rentables, que les opérateurs donc n'ont pas envie de couvrir parce que ce n'est pas des zones rentables. Et l'État maintenant est en train d'identifier ces zones et donc pour pouvoir trouver les mécanismes à travers donc le projet de service universel de les couvrir. C'est la raison pour laquelle également au niveau du ministère, il y a une stratégie de développement du service universel. Une stratégie qui a été réactualisée tout récemment et la stratégie elle est adossée sur un fonds. Un fonds donc de développement du service universel. Et le fonds a eu donc à interconnecter des zones rurales, à équiper des écoles, à amener le Wi-Fi dans les universités et dans certaines zones du pays. Tout ça pour favoriser l'accès des populations. Maintenant, à côté, il y a tout un programme de couverture d'infrastructures, donc de déploiement de la fibre optique, surtout à travers la fibre optique de la DIE, qui aujourd'hui couvre pratiquement toutes les capitales régionales et départementales du Sénégal. Et cela donc permet donc d'assurer une connectivité, en tout cas aux services administratifs, et donc aux des régions, des départements et même de certaines collectivités locales. Et donc, à terme, l'objectif, c'est d'assurer une couverture donc
à 90% du territoire national et de permettre donc l'accès à la connectivité à l'ensemble des entreprises donc, et des ménages. Donc, voilà un ensemble de leviers sur lesquels l'État est en train de travailler pour assurer, essayer d'assurer donc l'accès donc à la connectivité pour l'ensemble des populations. Ok, parfait. Merci. Merci d'avoir rappelé ce fonds de soutien. Oui. Je pense que je ne suis pas sûr qu'on en trouverait dans d'autres pays. Surtout avec l'ambition du fonds et l'adossement à une politique d'accès universel. Tout à fait. C'était une des distinctions du Sénégal quand même. Absolument. Et j'en profiterai pour dire également, si vous avez le temps, il faut revoir le rapport. Il y a des expériences assez importantes dont le Sénégal pourrait tirer profit. Mm-hmm. Par exemple, au Ghana, leur approche inclusive, pas en termes d'accès, mais en termes de contenu, est importante. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être peut-être une inspiration pour vous. Mm-hmm. Au niveau du Maroc, le partenariat entre le gouvernement et les banques pour le financement. Je sais que vous avez plusieurs instruments et ça devait être également une option. Je pense que de tous les pays que nous avons vus, les sept en tout cas, seuls le Nigeria et le Maroc avaient des ambitions satellitaires. Ce qui, je pense, est aussi important si vous voulez faire certaines choses et les faire bien. Ça, c'est peut-être, parlant de satellites, le moment pour en arriver à la question de Yule, de AFDC. Vous avez fait référence aux prévisions météo, en tout cas des services ACTEC qui donnent accès aux prévisions météo. Donc, Yule voulait savoir quel est le niveau de précision ou bien l'échelle de ces informations et de prévisions météo. Est-ce au niveau individuel ou collectif? Et quelle est la fiabilité de ces informations météo, des prévisions météo qui sont diffusées? Et si vous avez un feedback des utilisateurs concernant la fiabilité ou bien l'utilité de ces informations? Alors, je rappelle qu'au Sénégal, il y a l'ANACIM qui s'occupe donc de l'information sur la météo. Donc, je pense que chaque soir à la télé, donc, on donne ces informations. Maintenant, lorsqu'on développait ce projet-là, l'ANACIM était associé quand même à ce projet. Et l'idée donc, c'était de développer cette application qui sera ouverte à l'ANACIM, qui lui permet donc de pouvoir diffuser les informations. Notamment les informations, surtout concernant les intempéries. Par exemple, souvent il y a des pêcheurs qui partent en mer. Et souvent, il y a des problèmes des intempéries, des catastrophes naturelles qui peuvent se produire. Il y a des jours où il y a beaucoup de vent en haute mer. Et ces informations-là, l'ANACIM les diffuse régulièrement. Maintenant, avec cette application, ça permettrait quand même d'atteindre le plus d'utilisateurs, le plus de gens qui en ont besoin. Mais ce ne sera pas seulement dans le domaine de la sécurité, je vais dire, mais dans le domaine également de l'agriculture, parce que on a besoin quand même d'avoir un calendrier culturel, d'avoir également tout ce qui est, en tout cas, pluviométrie, données pluviométriques, données sur la température, etc., et de mettre en temps réel ces données au niveau des populations. Mais c'est un travail que l'ANACIM est en train de faire et de bien faire, et donc l'application vise à renforcer donc l'ANACIM dans ce domaine. J'ai même eu à échanger avec la dame qui travaille là-bas. Elle m'a dit qu'eux-mêmes, ils utilisent non seulement les SMS, mais ils utilisent également la voix, des fois pour envoyer des informations. Donc, ils ont une base de données donc, qui regroupe beaucoup d'acteurs socio-économiques qui sont, en tout cas, intéressés par l'information météorologique et que périodiquement, donc, ils diffusent ces informations à l'endroit, donc, de ces parties prenantes. Donc, c'est un travail qui était essentiellement dévolu à l'ANACIM et que la plateforme, l'application qui a été créée va renforcer donc l'ANACIM dans ce domaine. Parfait. Je pense que vous avez apporté une partie de la réponse à la question de Mamadou Yassine Diallo qui demandait est-ce que les technologies digitales pouvaient aider à régler la question de l'insuffisance de précipitation. Donc, de la basse pluviométrie, mais je pense que c'est plutôt, pas seulement une question de niveau de pluviométrie, mais aussi d'instabilité
de variabilité de pluviométrie. Je pense que là, la prévision peut aider à mieux cibler les périodes d'activité, de production. Mais je ne sais pas si vous voulez commenter sur cela encore un peu davantage, ou bien on peut s'en arrêter à la question que vous venez, à la réponse que vous venez de donner à Monsieur Yule. Et là, ça me permettrait d'aller à la prochaine question, qui est de une seconde. Peut-être préciser simplement que, Oui. Allez-y. en tout cas, l'accès à l'information peut permettre de sensibiliser les populations, donc de les informer, donc pour qu'ils adoptent des comportements qui sont beaucoup plus favorables donc au développement de l'environnement, à la préservation de l'environnement, qui à terme pourrait donc contribuer donc à améliorer la productivité. Parce que je pense que la pluviométrie, il faut reconnaître que la pluviométrie est le résultat donc d'un ensemble de facteurs naturels, écologiques, et que souvent l'homme a un comportement qui influe négativement donc sur l'environnement et qui peut conduire donc à une certaine, en tout cas, baisse de pluviométrie. Donc, je pense que utiliser les technologies de l'information et de la communication permettront d'éduquer donc plus de populations sur des comportements, sur des attitudes, sur des liés à la coupe du bois, à l'agression de l'environnement, et qui à terme pourraient se traduire donc par une augmentation de la pluviométrie. C'est la réponse que je peux donner pour le moment. Oui, c'est bon, c'est Si je parfait. comprends bien sa question. Oui, c'est ça surtout, c'était OK. ça. Donc, l'autre question maintenant, ça nous vient de M. Faure Avlessi, qui parle de l'extension du secteur agritech au Sénégal. Et sa question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un accompagnement qui a été prévu pour équiper les producteurs de smartphones? Parce que quand vous parlez de 4G et de contenu, il faut avoir les équipements pour pouvoir y accéder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou bien qui est en train d'être fait par le gouvernement pour aider l'accès aux smartphones au niveau des paysans? Alors, j'avoue que dans le projet SAIDA, Service agricole inclusion digitale en Afrique, on avait sélectionné 50 agriculteurs à Tamba qui étaient tous équipés donc de smartphones. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir le mobile. Bon, à côté donc du laptop ou bien de la machine, du PC qui est un peu cher, on a quand même la chance d'avoir le mobile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui donc on a des terminaux, des smartphones qui sont beaucoup moins chers et en tout cas avec lesquels on peut équiper le maximum. Je sais qu'au niveau du ministère on a un projet également sur l'éducation numérique, mais ça c'est le volet éducation. Pour simplement vous dire que dans la première année de cette éducation, enfin, on avait équipé tous les bénéficiaires, donc on avait acquis presque quelque chose comme 300 smartphones, comme 150 tablettes qu'on avait distribuées pour pouvoir donc permettre aux élèves et aux enseignants de pouvoir les utiliser pour pouvoir se connecter et accéder à l'information. Et que donc, pour le projet SAIDA, c'est déjà pris en compte dans la phase pilote. Je suis persuadé que dans la phase d'extension également, on trouvera les moyens et les mécanismes donc pour permettre aux agriculteurs de pouvoir être en tout cas équipés de smartphones et de téléphones. Et aujourd'hui également, on se rend compte que avec le code USSD, il y a beaucoup d'informations qui aujourd'hui sont accessibles via donc le téléphone basique. Donc, on encourage également les smartphones, excusez-moi, les startups dans le développement de leurs applications, à faire en sorte que toutes les informations puissent être également accessibles via le téléphone basique. Je pense qu'en cumulant les deux, on peut quand même parvenir à aider le maximum de population à avoir accès donc, à avoir en tout cas un terminal qui leur permettra d'accéder donc aux informations et aux plateformes. Je sais pas si j'ai Ça répondu. m'a... Oui, vous avez bien répondu. Il Oui. y a une question qui est un peu similaire à celle-là, qui nous vient de Astoufaï, qui demande, vous avez parlé du pourcentage de femmes qui sont dans l'écosystème agritech, vous avez parlé, en tout cas des startups, vous avez parlé de ce que vous faites en direction des ruraux en général. Astoufaï voulait savoir
Est-ce qu'il y a des programmes d'accompagnement spécifiquement dédiés aux jeunes agriculteurs ruraux? Aux jeunes agriculteurs ruraux. Dans le monde rural, oui. Pas en périurbain, mais au niveau rural. Est-ce que est-ce qu'ils sont une cible de vos politiques, En les jeunes général, comme les femmes le sont? oui, en général, au Sénégal, quand on parle de l'agriculteur, les gens pensent systématiquement au monde rural. Bon, même s'il y a une agriculture périurbaine, comme vous dites. Donc, pour vous dire que l'essentiel des programmes qui sont menés sont concentrés dans le monde rural. Vous avez vu le programme donc SAIDA, quand c'est venu, on l'a orienté vers la région de Tambacounda. Il y a également beaucoup de startups qu'on reçoit ici. C'est des startups qui sont soit dans la vallée du fleuve Sénégal, mais un peu dans les Niayes et surtout dans le bassin Arachidier. Ce qui fait que la majeure partie des programmes, la majeure partie est également des startups, des réalisations que nous voyons, sont concentrées essentiellement dans le monde rural. Bon, peut-être il y a un programme également de coopération avec avec la Belgique, qui également travaille dans le Sinsaloum, et un programme de développement de l'entrepreneuriat décent et durable, l'emploi décent et l'entrepreneuriat durable. Je pense que c'est un des axes de coopération dans le programme de coopération Sénégal-Belge, avec donc un programme qui sera déroulé dans le Sinsaloum, avec la promotion donc de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des zones qui seront créées là-bas. Et également, il y a un volet essentiellement destiné à l'entrepreneuriat et à l'accompagnement numérique pour que le numérique puisse en tout cas être utilisé dans ce projet et ce programme. Et vous voyez que ce programme également ne cible pas Dakar, ne cible pas Thiès, mais il cible la zone du Sinsaloum, dans les zones rurales. Donc, pour répondre à la question de Assou, je lui dirais que l'essentiel, en tout cas, des programmes ou bien des projets, en tout cas, qui touchent le domaine de l'agriculture, souvent sont orientés vers le monde rural. Merci. Donc là, j'ai ma propre question. Vous avez cité plusieurs instruments de financement. Est-ce que, y compris des lignes de crédit, je pense peut-être des exonérations fiscales, mais surtout en termes de financement bancaire, vous avez parlé des 3 milliards, je pense, par année à dépenser. Dans le cadre du soutien au secteur privé, surtout aux startups. Est-ce que vous avez eu à évaluer ces instruments en termes de leur efficacité et surtout efficacité en termes de qui sont les utilisateurs et est-ce que ces financements qui ont été reçus ont permis à ces utilisateurs de créer de la valeur, de bien consolider leurs activités, de développer leurs activités, et ainsi de suite. Une question connexe, c'est est-ce que ces financements-là vont surtout aux plus nécessiteux ou s'il y a des fuites en termes de SME qui ont toutes les capacités de financement pour pouvoir faire leur business? Mais quand même qui, voyons ces facilités, font recours à ce type de financement. Donc, quel est le niveau de ciblage et quel est le niveau d'efficacité de ces instruments? Est-ce que vous les avez évalués? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la phase d'élaboration, dans la phase d'étude de faisabilité du fonds de développement du numérique qui a été faite il y a un peu plus d'un an, donc on a réalisé une sorte de diagnostic en termes d'offres de financement, en termes également de demandes de financement. Alors, on s'est rendu compte que pour ce qui est du secteur digital, alors, il y avait quand même un déficit jusque-là, hein, parce que les banques classiques, souvent, ont des problèmes d'appréhension et de compréhension des modèles économiques qui sont souvent utilisés par les startups du digital. Donc, l'accès au financement bancaire était très limité parce qu'ils n'avaient pas d'actifs tangibles. La plupart, ils sont dans le virtuel, n'ont pas d'actifs tangibles. C'est des modèles économiques
alors qu'ils ne sont pas compris par le système bancaire classique, etc., etc. Et donc, ce qui fait que il fallait donc peut-être voir si on peut avoir des sociétés d'investissement un peu plus appropriées, surtout dans le capital risque. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y a un certain nombre de fonds qui ont commencé à se développer et qui quand même pourront profiter donc à ces entreprises. Bon, il y a un peu Teranga Capital qui s'est développé avec où la Sonatel était quand même actionnaire. Il y avait également Partech Africa et également d'autres sociétés. Mais il fallait donc que l'État lui-même, à son niveau, puisse voir quels sont les mécanismes donc à développer pour que les PME du secteur de l'économie numérique puissent donc accéder au financement et que, au-delà de ce financement, qu'ils puissent avoir tout un accompagnement en termes de renforcement de capacité pour que la quantité importante de startups qui naissent puissent traverser ce qu'on appelle la vallée de la mort pour pouvoir qu'il y ait en tout cas un nombre critique qui puisse survivre pour pouvoir donc se développer. Et donc c'est dans cette optique qu'il a été décidé de créer le fonds de développement de l'économie numérique. Donc ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, voilà, on a remarquez quand même qu'il y a un besoin de financement qui est là et que le système bancaire classique parvenait à prendre en charge à peine et l'État, mais également d'autres acteurs privés à travers donc les fonds d'investissement, les fonds de capital risque sont en train donc en tout cas de mettre en place donc des mécanismes pour pouvoir prendre en charge donc ce besoin de financement qui est quand même exprimé par l'ensemble des acteurs de l'écosystème, mais également pouvoir intégrer dans leur paquet des accompagnements qui permettent aux startups d'avoir aussi les compétences techniques, les compétences managériales qui leur permettront donc de pouvoir, en tout cas, une fois avoir accès à ce financement, de pouvoir donc l'utiliser et de pouvoir donc développer les différentes startups. Mais à ce niveau, je pense que j'ai pas encore eu. Et bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont été incubées parce qu'il y a également à côté de ça ce qu'on appelle les dispositifs d'accompagnement, les incubateurs. Donc, je pense qu'au Sénégal, CETIC Dakar, tout le monde connaît CETIC, qui est un incubateur qui a commencé à accompagner beaucoup d'entreprises presque depuis 2012, 2013 et qui a vu beaucoup d'entreprises aujourd'hui devenues des références et qui étaient passées par CETIC. Il y a également des Jocolabs. Et dans les universités également, on a des incubateurs universitaires qui se développent et qui accompagnent également les startups du secteur, notamment du secteur de l'économie numérique, qui aujourd'hui ont en tout cas réussi à s'imposer dans l'écosystème et donc à être des références. On a quand même des références, des modèles que les gens citent souvent et qui aujourd'hui donc sont en train de se sont développés en tout cas sur la base donc de l'accompagnement qu'ils ont eu, aussi bien sur le plan financier, mais également sur le plan technique. Parfait, merci. Vous venez de citer Jocolabs. C'est peut-être le moment de vous dire que nous avons également, au niveau de nos activités à Dakar, Oui. Un challenge qui se fait chaque année. Nous avons un site web, des plateformes digitales que nous utilisons pour les données, pour l'analyse, pour beaucoup de choses, qui s'appelle RESACS, Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System. Donc, systèmes régionaux d'analyse et des connaissances. Et chaque année, on organise ce qu'on appelle le RESAX Data Challenge. OK? Et il y a 2 ans, Jocolabs avait gagné dans la catégorie IT et coding. Donc, dans ce challenge, peut-être on pourra voir avec vous comment on pourra travailler avec les ministères dans l'édition prochaine. On vient de finir l'édition de cette année à Lomé. On invite tous les acteurs qui désirent le faire, d'aller sur les plateformes que nous avons, utiliser les données qui existent, développer un produit qui est pertinent en termes de questions de développement en Afrique et qui est innovateur. Donc, on a 4 catégories, rapport et essai, mais IT et coding, et on a également visual art, tout ce qui est art.
et on a une composante lycée, donc high school, okay, pour les étudiants. Donc Joko Labs avait gagné il y a 2 ans dans la D'accord. catégorie IT coding. Ils ont fait une appli qui utilisait les données sur le site et permettait de naviguer et de miner tout ce qu'il y avait comme connaissance sur le site. OK. Donc ça, je voulais toucher revenir sur ça. Il y a également une question qui m'a été adressée par Nicéphore Ablessi avant qu'il ne parte, qui voulait savoir est-ce qu'il pouvait avoir accès au rapport dont nous parlons. Et Oui. je vais dire que il y a d'abord le site web www.mamopanel.org. Mais à la fin de cette présentation, Monsieur Avlessi, nous vous enverrons un email de remerciement et vous aurez tous les liens nécessaires pour accéder à ces documents-là. Non seulement le rapport sur la digitalisation, mais aussi les autres rapports du panel. Voilà, je vais passer à la prochaine question, Monsieur Sall. Oui. Donc, ça vient de Patricia qui demande quelles sont aujourd'hui les limites majeures des initiatives agritech face à un cadre juridique non encore actualisé. Nous savons que vous avez des choses en chantier, mais est-ce que vous avez eu une analyse qui vous a permis d'identifier peut-être ce que pourraient être les limites, les obstacles auxquels le secteur agritech fait face en termes de cadre juridique et peut-être qui ont motivé sûrement les réformes que vous avez en chantier actuellement. Je rappelle que pour le code, le cadre juridique, il y a le code des communications électroniques et les décrets d'application de, en tout cas, beaucoup de ces dispositions qui ont été déjà validées parce que le code a été voté depuis l'année dernière. Et que, aujourd'hui, pratiquement tout ce qui était, en tout cas, perçus comme étant des limites, comme étant des insuffisances, ont été pris en charge. Notamment tout ce qui est lié au développement des technologies innovantes. Le code a pu prendre en charge tous ces aspects, mais également tout ce qui est lié à l'environnement juridique, institutionnel, à la réorganisation, à la gouvernance. Donc, c'était des contraintes qui étaient identifiées dans le code de 2011. Et c'est des innovations qui ont été apportées dans le code de 2018. Alors, maintenant, pour ce qui est du secteur agritech, je pense que c'est comme les autres secteurs, hein. Tous les startups de façon globale avaient quand même comme principale préoccupation d'avoir un environnement juridique qui tienne compte de leur spécificité, de leur particularité en tant que entreprise évoluant dans le digital. Donc, ayant des modèles économiques assez innovants, ayant également un impact économique extrêmement important en termes de création d'emplois. Et donc, il fallait au moins les aider pour avoir un cadre légal qui leur permet également d'accéder à la commande publique. Parce que la principale contrainte des startups de façon globale, qui était toujours revue, et des PME même du secteur, c'était l'accès à la commande publique. Je pense que le code des marchés publics prévoit l'offre spontanée, mais les conditions étaient très peu élevées pour qu'une entreprise puisse, en tout cas une start-up puisse les remplir. Il fallait avoir au moins, en tout cas, il fallait que le marché dépasse 50 milliards pour que ça puisse faire l'objet éventuellement d'offres spontanées. Alors, ce qui n'est pas le cas pour pratiquement la majeure partie. Donc, pour l'ensemble des start-up, il fallait pour accéder à la commande publique, il fallait compétir. Et généralement, il y a des multinationales, il y a des entreprises venant d'ailleurs qui généralement remportent l'essentiel des marchés. Donc, il fallait quand même prévoir une certaine préférence nationale en faveur des startups des PME. Et ceci a été bien pris en compte dans le projet de loi sur la startup. Donc, le projet de loi sur la startup, je pense que a été largement initié par le secteur, par l'écosystème, et donc l'État a travaillé avec, les a accompagnés
avant maintenant de porter carrément le projet de loi et qui sera bientôt promulgué. J'en profite pour dire que donc quand le projet de loi sera voté, ça ne va pas tarder, donc il sera donc disponible donc il sera partagé par l'ensemble des acteurs. Donc l'accès à la commande publique était quand même une des préoccupations. L'autre préoccupation, c'était liée à la fiscalité. Donc la plupart des PME trouvaient que donc la fiscalité donc était une fiscalité qui était générale aux entreprises, était très dure aux PME et aux startups du secteur de l'économie numérique. Là également, il y a des dispositions qui ont été donc prévues donc dans la loi sur les startups et qui vont donc permettre d'alléger cette fiscalité. L'autre, naturellement, c'était l'accès au financement, j'en ai parlé. Et il y a également des mécanismes, des fonds qui sont prévus pour les accompagner. Globalement, les PME du secteur agritech ont en tout cas les mêmes problèmes que les autres PME numériques qui sont dans les autres secteurs. Et je pense que les réformes, les mesures qui ont été prises ces derniers jours, ces derniers mois-là, donc vont permettre donc de trouver une solution donc à l'ensemble des préoccupations. Parfait. Il y a une question qui nous vient ici qui, je pense, permettrait d'approfondir un peu ce que vous venez de dire. Une fois que vous avez l'environnement légal qu'il faut et que ces startups là naissent, la question de Mambiram Jai, c'est de savoir est-ce que vous avez les instruments qui vous permettent d'accompagner dans la mise à échelle des success stories. Une fois que vous avez les incubateurs, vous avez cet environnement légal, vous avez les instruments de financement et tout ça, et que ces startups là naissent et que vous voyez certains parmi eux qui sont très promoteurs, est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de les accompagner pour aller en échelle? Effectivement, je pense que on l'a dit, hein, il y a un processus d'enregistrement, un processus de labellisation qui va bientôt démarrer et qui va accompagner la loi. Et donc l'objectif, c'est que toute start-up qui a des problèmes de labellisation va bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir en tout cas mettre à niveau soit ses compétences, soit son modèle économique pour être vraiment remplir les critères d'une vraie start-up avec un modèle économique innovant, avec véritablement donc des activités impactantes en termes de création d'emplois, en termes de croissance économique. Et à partir de ce moment-là, maintenant, il y a des mécanismes qui sont déjà mis en place. J'ai parlé du parc de technologie numérique de Diamniadio, où il y aura pratiquement tous les services, tout l'environnement donc de développement, tout l'environnement d'accompagnement qui sera mis en place. Mais il y a également l'incubateur qui sera mis en place bientôt par la Derlop Innovation qui sera développée. Et ça va être ouvert aux startups qui seront identifiées, qui seront évaluées et qui pourront avoir accès donc à ces différents espaces d'incubation, d'accompagnement. Mais également, il y a des fonds dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces fonds qui sont en train d'être mis en place, dont le financement de l'ADER. Donc, ces entreprises qui seront enregistrées, qui seront évaluées, qui seront en tout cas les startups qui seront reconnues, vont donc pouvoir bénéficier de tout ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas enregistrer pour enregistrer, ce n'est pas labelliser pour labelliser, mais c'est labelliser pour pouvoir accompagner dans le processus. Et je pense qu'il y a tout un ensemble de services donc de financement, d'accompagnement, de renforcement de capacité, mais également d'accueil et d'hébergement donc qui sont en train d'être déployés et qui vont bénéficier donc de l'ensemble des startups de l'écosystème. Parfait. Merci, Monsieur Sall. Je pense que c'était la dernière question. Il me paraît que les Harpularines ont faim, donc on n'a plus de questions. Mais c'est le moment pour moi maintenant de vous remercier, ainsi qu'à votre ministre, pour votre disponibilité et de partager avec nous l'expérience tellement riche du Sénégal. Je suis très content de voir quand même que partout en Afrique, mais surtout les 6 pays qui ont fait l'objet de notre analyse approfondie, donc à savoir le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et le Maroc, je pense, sont des pays quand même qui font beaucoup de choses. Chaque pays peut-être avec sa propre spécificité, hein, c'est pas les mêmes choses que vous faites, oui. Mais quand même les efforts ici et là ont produit des fruits. Et le monde actuel économique et le monde vers lequel nous tendons sera un monde digital, complètement. Tout à fait. Okay. Donc tout ce qui est nouvelle technologie, mais surtout tout ce qui est calé au digital aujourd'hui,
l'intelligence artificielle, computer learning, je ne sais pas comment traduire ça en français, et la modélisation prédictive sont en train de bouleverser toutes les sciences traditionnelles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un biologiste ou bien un agronome pour pouvoir prédire les récoltes. L'ordinateur le fait sur la base de big data et de predictive modeling. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être médecin pour diagnostiquer certaines maladies. Donc, c'est le digital qui va être en fait comme l'électricité et l'eau aujourd'hui dans une économie. Voilà. Donc, cette approche stratégique est extrêmement importante. Donc, on est très content de voir ce qui se fait et surtout aussi la richesse des instruments qui sont ciblés à des facettes spécifiques du problème et des challenges. Et c'est comme ça, je pense qu'on pourrait réaliser davantage de progrès. Donc, c'est vraiment pour saluer tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous remercier encore davantage. Et Merci beaucoup. surtout, voilà, remercier nos amis qui ont voulu prendre part à ce webinaire. Je sais que Nabo aura sûrement des informations à partager quant au prochain webinaire. On a d'autres rapports. C'est le moment de signaler à M. Sall également que le rapport, le prochain rapport du panel sera sur l'énergie. Et la transformation de l'économie rurale et les chaînes de valeur agricole. Le forum aura lieu à Banjul, sera accueilli par le gouvernement gambien le 17 décembre. On a d'autres rapports sur la nutrition, sur la mécanisation, sur l'irrigation. Je sais qu'on aura encore d'autres webinaires à venir, et je l'ai dit pour ceux qui sont également autour de la table avec nous. Tout à fait. Donc, merci, M. Sall, encore une Merci beaucoup. fois. Merci, merci. Et je pense que Nabou va sûrement rester en contact dans le cadre du RESAX Data Challenge. On aimerait bien travailler avec les ministères. OK, il n'y a pas Donc, de souci. il fera la suite avec vous, Merci Inch'Allah. beaucoup, merci. OK, donc, Nabou, back to you. Thank you, Ousmane. Merci beaucoup à vous de nous avoir surtout rejoints à cette heure très, très matinale, 5 heures du matin au niveau de Washington. Merci infiniment pour la modération et merci surtout à Monsieur Sall, effectivement, pour la qualité de sa présentation qui a été saluée par plusieurs intervenants et pour la concision qui nous a permis de gagner effectivement 30 minutes sur le temps imparti. Donc, c'est très appréciable dans cette économie du temps dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous voulons remercier toutes les personnes qui sont restées en ligne avec nous du début à la fin. Certains se sont même enregistrés bien avant le démarrage et sont restés jusqu'à la fin. Merci infiniment. Vous recevrez, comme l'a précisé le docteur Badiane, un mail de remerciement avec le lien de la vidéo qui a été enregistrée pour ce webinaire, ainsi que un lien de la présentation de Monsieur Sall. Nous vous enverrons également toutes les ressources que le Malabo Montpellier Panel a eu à développer à date, autant dans le domaine de la nutrition que de la mécanisation, de l'irrigation, le dernier rapport étant celui de la digitalisation et le prochain qui sera effectivement lancé en décembre à Banjul sera sur l'énergie. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différentes plateformes, notre site internet donc qui vous sera communiqué, mais surtout sur la plateforme YouTube où vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont été faits jusqu'à présent. Et je peux déjà vous dire que le prochain webinaire sera sur la digitalisation en anglais cette fois-ci. Et dans 2 mois, nous aurons celui sur l'énergie. En tout cas, merci encore une fois à Monsieur Sall et à sa délégation de la direction, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont suivis en salle et en ligne. Au revoir Ousmane et merci encore. Ok, ciao, Bye ciao. Bye. Merci, merci, C'était une merci à tout le monde excellente aussi. présentation. Merci Merci beaucoup. beaucoup, merci de votre accompagnement.
Ah bon?